ثالث فقرات حلقتنا نلتقي بيونس بن يحيى من مدينة كان الفرنسية. يونس فاعل جمعوي يعمل رفقة مؤسسات المجتمع المدني من أجل مادية العون للشباب والمهاجرين في وضعية صعبة. يعمل يونس على عقد شراكات واتفاقيات مع مؤسسات مغربية، شراكات تعاون فيما يخص الطفولة والشباب وكذا التراث المغربي. Monsieur بن يحيى يونس. Donc je suis né à Marseille, originaire de Marseille en centre-ville, et je suis venu à Cannes dans le cadre de mes études en tant que master informatique, où j'ai beaucoup apprécié cette ville et surtout la communauté que j'ai rencontrée. Donc en fait, ça fait 4 ans que je suis à Cannes. Alors mon parcours professionnel, j'ai été beaucoup dans le social en tant qu'assistant d'éducation dans les lycées, ainsi que directeur de colonies de vacances sur Marseille. Puis après, j'ai décidé de reprendre mes études dans l'informatique, où j'ai obtenu un master en tant que responsable IT, où à l'heure actuelle, je travaille pour la société Sifuja, import-export dans les produits de la mer. Donc ce qui m'a fait un peu venir dans le cadre du social, c'est que j'ai rencontré une association sur Marseille qui faisait en fait les repas pour les SDF pendant la période du Ramadan. Et j'ai beaucoup apprécié le fait de pouvoir donner de son temps pendant ce mois sacré. Et en fait, j'ai été pris par cette association. Et quand je suis venu à Cannes, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas réellement d'association qui s'occupait des sans-papiers, des SDF, des migrants. Et donc de là, avec des frères de la mosquée de Cannes et de Cannes La Boca, on a décidé de créer une association qui s'appelle WM What Matters. Donc en fait, c'est une association, comme ils disent les services de l'État, dans une zone blanche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'association. Et donc en fait, nous, notre rôle, c'est on fait des courses et après on distribue directement aux familles. Donc ça leur permet de pouvoir se nourrir avec des produits de première nécessité. Là, je vais préparer un sac d'urgence parce qu'on vient de recevoir une information comme quoi il y a une famille qui était en besoin en urgence. Donc là, j'ai mon listing. Donc c'est pour un taille M. Donc je dois mettre 1,5 kg de pâte. Concernant ma connaissance des associations au Maroc, donc j'ai été mis en relation avec une association qui s'appelle le Village des Orphelins sur Marrakech, où on a essayé de créer une association commune, c'est-à-dire que nous, dans le cadre de notre association, on fait la distribution de jouets pendant les périodes de Noël. Et comme on a eu pas mal de récoltes de jouets, on s'est dit que peut-être on pouvait aussi en faire bénéficier ce village des orphelins qu'il y a à Marrakech. Donc j'ai noué une première relation avec eux et j'espère qu'un futur partenariat sera fait prochainement, Inch'Allah. Et j'ai aussi à titre personnel aussi un autre projet sur la Médina de Fès, à Betha, d'essayer de créer dans un commerce, d'essayer de créer une sorte de vitrine pour tous les jeunes qui sont en train d'apprendre le métier de l'artisanat à Fès, car c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que chaque été, Allah yarhamou, quand mon père était vivant, nous amenait là-bas. Et voilà, c'est quelque chose qui me prend vraiment à cœur de pouvoir essayer de redynamiser et de donner aussi une chance à tous les Marocains qui sont en train d'apprendre le métier de l'artisanat à la Médina de Fès. Pour l'instant, je n'ai pas encore travaillé avec les associations marocaines, et j'espère qu'un prochain partenariat ou collaboration se fera, Inch'Allah.
expérience du Covid à titre personnel, donc moi je l'ai vécu ben, justement en créant cette association, parce que je me suis rendu compte que, ben, que malheureusement il y avait beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi, beaucoup de sans-papiers qui n'ont trouvé pas d'aide. Donc je trouve que ben, ça n'a pas été géré de la meilleure des façons, en tout cas en France. Donc j'ai suivi un peu au Maroc. Alhamdoulilah, il n'y a pas eu de problème de masque. J'ai entendu dire qu'il y a eu des distributions alimentaires, qu'il n'y a pas eu de problème aussi au niveau alimentaire. Donc je trouve que le Maroc a plutôt bien géré cette crise-là. Donc félicitations à l'administration marocaine qui a vraiment bien géré en amont. A contrario, ça a montré aussi l'isolement, que face à la crise, ben, le monde s'est un peu recroquevillé en lui-même. Par exemple, la France, eh ben, elle s'est consacrée, ils se sont un peu battus pour avoir des masques, ils ne se sont pas forcément occupés des voisins. Et c'est pareil pour les vaccins. Donc c'était la course à la survie, sans oublier les voisins, alors que voilà, on pensait qu'on était tous européens et qu'on devait tous répondre de la même manière. Mais c'est vrai que la crise du Covid nous a montré cela. Et je pourrais même dire que ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine, eh ben, c'est aussi la même chose. Donc on voit qu'il y a une fraternité, mais c'est une fraternité, ben, en ce moment on est en train de préparer des colis alimentaires pour leur distribuer, mais c'est vrai que comme il y a la guerre, ça va être compliqué de leur donner. Et je trouve que voilà, on n'est pas assez solidaire là-dessus et qu'il faudrait peut-être, voilà, on parle souvent de l'ordre mondial, donc ben, l'ordre mondial ça a peut-être des côtés positifs et il faudrait peut-être réfléchir à cela pour ne pas laisser ben, des tyrans tyranniser des peuples. Donc on a créé l'association pendant le Covid, donc ça fait plus de 2 ans. Donc au départ, on a aidé un premier frère, après un deuxième frère, après un troisième frère. Et de là, on s'est dit qu'il fallait nous organiser pour pouvoir aider davantage. Donc de là, entre les frères de la mosquée, on a créé cette association. Et donc on a distribué plus de 30 tonnes d'aliments à une soixantaine de familles. On distribue un jour sur deux. Donc on a fait pas mal d'activités pour pouvoir nous permettre d'être autosuffisants. C'est-à-dire qu'on a créé des activités telles que des tournois de foot, telles que des vide-greniers, des activités culturelles, sportives, pour essayer de gagner un peu d'argent et pour permettre de faire notre distribution. Car à l'heure actuelle, ce sont les bénévoles qui viennent avec leur voiture, avec leur essence, faire la distribution. Et on aimerait, par exemple, avoir un utilitaire et pouvoir faire cette distribution avec nos moyens et ne pas trop solliciter les bénévoles qui, alhamdoulilah, mashallah, font cette action avec nous depuis plus de 2 ans. Il y a des bénévoles qui viennent, donc il y a des bénévoles de toute culture. On essaye justement de leur donner un peu de notre culture, de montrer un peu le bon exemple, en montrer que voilà, nous les musulmans, nous les étrangers, nous les MRE, on fait aussi de l'action sociale et civique envers ben, les citoyens, envers les sans-papiers, et on montre qu'on est vraiment acteurs. Et donc voilà, donc là on est en train de faire de la distribution alimentaire. On leur distribue des sacs de première nécessité, riz, pâtes, lait, blé, pour pouvoir se nourrir pour 2 semaines. Donc chaque famille, elle a son sac qui lui est réservé. Des sacs XL pour les grandes familles, L pour les familles de 2 personnes, M et S. Donc voilà, donc on fait une distribution. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 8 livreurs qui vont venir et qui vont distribuer aux différentes familles qu'on suit actuellement. Donc là, on a un nouveau bénévole qui vient d'arriver. Donc on a mis dans les réseaux sociaux qu'on était un peu en pénurie de bénévoles. Donc alhamdoulilah, il y en a un qui a vu la publication. Et donc il est venu, donc on va lui expliquer comment ça fonctionne. On va lui donner une liste de routes avec les adresses des familles. Et en fait, il va distribuer les sacs, Inch'Allah. On appelle ça, nous, le dimanche des sourires, parce que ça rapporte des sourires aux familles. Elles nous voient arriver avec plein de sacs remplis de plein de choses. Donc des fois, il y a des surprises, des fois, il y a des cadeaux, des fois, il y a des jouets. Donc tout dépend en fait de ce qu'on récolte, parce qu'on fait des récoltes alimentaires, de ce que les gens nous donnent également. Donc ben voilà, alhamdoulilah, qu'Allah nous facilite pour qu'on puisse ben, continuer ces actions. Là, normalement, il y a 8 voitures, donc ils sont 2 par voiture, donc ça fait 16. Et en général, on leur donne entre 4 à 7 familles à servir. Donc ça fait à peu près une soixantaine de familles.
Et là, vous avez Wesley, qui est mon vassal, l'administrateur, qui s'occupe de tout en mon absence. Donc là, il est en train de couper les feuilles de route, qu'il va distribuer aux différents bénévoles, et qui vérifie bien que voilà, qu'on ne se trompe pas de sac, puisque voilà, il y a quatre types de sacs, les sacs XL, les sacs L, M et S, en fonction de la composition des familles. On distribue directement chez les familles, parce que c'est souvent des sans-papiers, et en fait, ils ont un peu peur, ils ont des craintes pour demander dans les associations, ils ont peur que l'administration elle prenne connaissance de leur identité. Donc pour justement préserver leur anonymat, on distribue directement chez eux. Il y a de tout, il y a des SDF, il y en a qui se font héberger chez leur famille, chez leurs proches, il y en a qui sont aussi hébergés par l'administration française. Il y a eu beaucoup d'étrangers qui se font héberger dans les hôtels. Et en fait, heureusement que la France s'occupe de ça, mais par contre, elle ne leur donne pas de denrées alimentaires. Donc c'est là où nous, on intervient. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a un nouveau bénévole. On va lui expliquer un peu les règles. Alors en fait, tu vois là, ouais. Tu as le nom des familles. Oui. Là, tu as les numéros. Oui. Comme ça, tu les contactes un peu avant d'arriver. Ils oui. se préparent. Là, tu as les adresses. D'accord. Et là, tu as la chip des sacs. Donc, ça veut dire qu'en fait, eux, ils sont que deux. Ils ont un sac L. L. Eux, ils ont une grande famille, ils ont un sac XL. Tout est indiqué. D'accord. Donc, moi, je vais t'apporter les sacs, Inch'Allah. Si tu peux faire des photos avec eux, ils connaissent un peu le principe. On fait des photos, mais sans montrer leur visage. D'accord. Comme ça, après, nous, on les met dans les réseaux sociaux pour que les autres ils puissent promouvoir notre action et que les gens ils puissent nous donner. Parce que ça, d'accord. c'est... Il y a des choses qu'on a achetées, mais il y a des choses aussi qui nous ont été données. Oui, été données. D'accord. Donc, pour que les gens ils continuent à nous donner, il faut qu'on montre, qu'on prouve nos actions. D'accord. Concernant l'association WM What's Matter, la traduction est en fait ce qui importe, c'est-à-dire tout le monde. Donc en fait, tout le monde nous importe et en fait, il y a un public qui est un peu particulier, qui est en fait le public des oubliés, des exclus, qui sont en fait tous les sans-papiers. Parce qu'en fait, les sans-papiers, ils ont très peur d'aller dans les grandes associations telles que les Restos du Cœur, Secours Populaire, parce qu'en fait, ils ont peur de se faire arrêter et de se faire contrôler. Donc voilà, donc vraiment on essaye de s'occuper de tout le monde. Voilà la signification de WM, What Matters, qui nous a été donnée par Salim, dont je lui passe le salam. Je voulais vous conter aussi une histoire qui me tenait à cœur. Cette fois-ci, c'est plutôt l'aspect bénévole. Donc voilà, donc dans le cadre de l'association, j'ai eu un témoignage qui m'a fait chaud au cœur. C'est en fait un bénévole qui m'a dit, voilà, ça fait 6 ans que je suis à Cannes et j'ai rencontré personne. Lui, il est d'originaire du Havre et il m'a dit merci Younes. Et je lui ai dit, mais pourquoi merci? Alors il m'a dit, merci parce que ça fait 6 ans que je suis à Cannes, que je suis infirmier et j'ai rencontré personne de la communauté. Et il m'a dit, grâce à l'association, maintenant je connais du monde et pendant le ramadan, je peux partager le repas avec des frères et des sœurs, donc je t'en remercie. Donc c'est vrai que c'est un aspect qu'on peut parfois négliger. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de MRE, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent, parce que voilà, on est dans une époque de mondialisation, qui viennent à Cannes et qui rencontrent pas forcément des frères et des sœurs musulmans. Donc c'est vrai que l'association, elle permet aussi ça, la fraternité entre frères et sœurs.
Et ça m'a permis de rencontrer à la fois des étudiants marocains, comme des étudiants algériens, des étudiants de toute communauté. Et ça a permis vraiment de valoriser notre fraternité. Donc c'est vrai que c'est aussi un beau projet. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment à tout le monde de faire du bénévolat, de faire dans l'associatif, parce que on fait de très 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 belles rencontres, mashallah. Donc j'incite vraiment tout le monde à faire dans l'associatif.